Bonjour, 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 je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Et bien sûr, 1er décembre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les calendriers de l'Avent. Je viens d'ouvrir mes 9 calendriers. 9 ou 10, je ne sais plus, je verrai. Calendrier de l'Avent, donc quelques-uns qui ont été offerts par mon mari, quelques-uns que j'ai gagnés au concours et quelques-uns qui sont. Pour m'envoyer pour vous montrer comment elles sont. Alors bien sûr, on commence par Maxi Aliénor rouge que je vais essayer. Alors, attendez que j'essaye. Voilà, couleur 317 Carlette Red. Alors, qui vient du calendrier de l'Avent de Action, le magasin Action. Voilà, j'en ai trois que mon mari m'a trouvé chez Action. Là, un spa, oh, ça va sentir bon. Voilà. La marque Spa, une crème pour les mains, ça tombe bien avec les mains sèches l'hiver. Qui vient, attendez que je vais vous dire ça. Qui vient bien sûr de la marque après de Ethnic. J'ai reçu un joli magnifique vernis à ongles. De calendrier d'Avent Nuxe. Alors cette huile-là, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. Elle peut être utilisée pendant l'été et l'hiver sur cheveux, figure et corps. Et bien sûr, quand, une fois utilisée, la peau est très très douce et pas grasse. Je vous la conseille de vous la procurer. Vous avez soit un petit échantillon comme ça ou en très grande bouteille. Moi, j'ai deux parfums différents. Ça existe avec deux parfums différents. Deux grandes bouteilles. Je vous la conseille. Calendrier l'Avent Nuxe. Un petit d'autres. Bien sûr, vernis à ongles. Qui vient encore du calendrier de l'Avent. Ah, pour. Cette crème-là vient aussi du calendrier Action. Voilà. Après, j'ai une petite agate rubanée. Calendrier des pierres. Pour la femme, des petites gourmandises de Bounty. Un autre petit chocolat d'un autre calendrier de l'Avent et un calendrier de l'Avent pour les petits chiens, des petits os pour les deux petits toutounes. Ils vont se régaler. Je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.